Et il court de gauche à droite. Et regardez celui-là, il pose ses bras. Et regardez, il court, il court. Regardez. Vous savez tous que dans ce village, je n'ai qu'une seule copine, hein? Juste une, et rien qu'une seule copine. Une copine. À présent, écoutez, la fois dernière, elle lavait des tomates. Alors je lui ai demandé de me rejoindre dans la chambre où je me trouvais. Pour que nous, vous voyez. Alors je lui ai demandé de venir pour que nous... Ouais, bien sûr. Devinez ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, venir où? Venir où? Que, est-ce que tu as payé ma dot? Alors je lui ai répondu, la boisson que j'ai envoyée à ton père, tu l'as bu avant que ça n'arrive chez ton père. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as bu ta propre dot. Tu as bu ta propre dot? Non. Tu as bu ta propre dot? Vous savez, à vrai dire, j'ai en fait 5 copines. Écoutez, j'ai en fait 5 copines. Ouais. On dirait que ton copain est en colère. Hein? Regarde son visage. Avec son visage comme un sèche. Ferme ta bouche. Bébé. Pourquoi es-tu en colère? Le bruit de tes claquettes a interrompu mon travail. Oh! Tu sais que tu es la seule et l'unique. Vraiment? Hein? Je sais. Seule et l'unique. Il n'y a personne d'autre. Je jure devant le Tout-Puissant que... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai dit que ce n'est pas possible. Je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit, ça marche pas. Je suis un homme responsable. Je ne peux pas tromper ma copine. Et toi? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Attends.
Écoute, écoute, elle a essayé de me séduire. Je lui ai dit que tu es la seule que j'aime. Attends, attends, attends. Écoute, bébé. La seule raison pour laquelle je t'ai laissé me faire ça, c'est uniquement à cause des gens. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'il est dit que quand tu aimes une femme, tu ne la traites pas mal en public. Sinon, tu connais, tu me connais, moi, Oji. Tu ne m'aurais pas tiré de la sorte et je te laisse. C'est parce que tu es coupable. Pourquoi te serais-tu défendu? Ah, alors que tu sais que tu es coupable, est-ce que tu sais ce que tu me fais subir avec toutes ces filles? C'est toi qui les encourages. N'importe quoi. Il n'y a que le diable pour se défendre alors qu'il a tort. Et à ce que je sache, je ne pense pas que tu sois déjà le diable. De toutes les façons, le repas est prêt. Je ne mange pas ta nourriture. Oui. Quoi? Je ne mange pas ta nourriture. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Écoute, ces derniers temps, je me sens bizarre. Je suis si faible, je ne suis même plus un homme. Regarde comment les gens me regardent, je suis plus du tout un homme. Tu as peut-être mis du charme à l'intérieur. Oui, je ne comprends pas. Si tu ne me manipulais pas avec du charme, je t'aurais tenu tête. Tu ne vois pas que je me comporte bizarrement? Je ne mange pas ta nourriture, ne te fâche pas. D'accord, pas de problème. Regarde-moi, je veux te dire quelque chose. Je te regarde, pourquoi? Qu'est-ce que ça me rapporte? J'ai dit, laisse-moi. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi dans les yeux. Oh, joli garçon. Damsel, mon œil, mon œil. Ah! Non. Je ne vois pas. Damsel, ça c'est pour m'avoir traité de féticheuse. J'utilise du charme, n'est-ce pas? Non. Ne verse pas ma nourriture. Damsel, oh non, si je t'attrape, je te jure, tu ne vas pas survivre à ça. Je te laisse. Je ne vois rien. Il est très drôle. Monsieur Simon et Mademoiselle Clark, quelle idiotie vous fait abandonner vos postes ce matin. Au lieu de remplir vos obligations, vous êtes là à rigoler, on dirait deux idiots. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Et qu'est-ce que vous regardiez? C'est elle. C'est pour lui, oh. Voici ça. Prends ton téléphone. Prends-le. Ce n'est pas mon téléphone, c'est ton téléphone. Prends ton téléphone. Oh, dans ce téléphone, il n'y a personne et personne ne le reconnaît. Prends ton téléphone. Prends-le. Reprends-le, c'est ton téléphone. Ok, ce n'est pas mon téléphone, non? J'étais ici et il est venu me donner le téléphone parce qu'il m'aime. Et maintenant, je veux lui rendre son téléphone. Prends ton téléphone. Ok, tous les deux. À l'intérieur, et apportez ce téléphone. Ce n'est pas mon téléphone. Prends ton téléphone. Reprends-le. Hein? Je balais la concession lorsque tu es arrivé avec cette stupide vidéo pour qu'on la regarde. Maintenant, tu finis. Prends ton téléphone. Tiens-le. C'est pas toi l'homme. Vas-y. Ah ouais? Je suis une tape. Maintenant, c'est moi l'homme, n'est-ce pas? Les hommes, t'as peur. Bonjour, monsieur. Allume-le. Hey.
monde est heureux dans cette maison. Tout le monde rigole. Ok. Ok. Ah, t'es là. Que se passe-t-il ici? Où sont leurs photos? Où sont leurs jouets? Pourquoi cette chambre est vide? J'ai vidé la chambre. Et puis, il est temps pour nous d'avancer. J'aime pas te voir ici. Non. Nos enfants sont partis avec la joie de cette maison. Depuis qu'ils sont morts. Il ne peut plus avoir de joie ici. Ces derniers mois ont été douloureux pour nous. Ces derniers mois ont été douloureux pour nous. Il est temps d'avancer et retrouver la famille qu'on avait. Non. 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 Je ne peux pas les oublier aussi facilement. Ce n'est pas juste. Je ne les oublie pas aussi facilement. Jamais. Mais Tina et Mark étaient des enfants remarquables. Ils aimaient rigoler. Ils aimaient nous faire rigoler. Ils aimaient nous voir heureux. Essayons, s'il te plaît. Essayons. Nos enfants nous ont abandonnés. Tout ira bien. Ils nous ont abandonnés aussi facilement. Et c'est entièrement de ma faute. C'est entièrement de ma faute, j'aurais dû être là. J'aurais dû aller les chercher moi-même. Écoute, Thierry, ce n'était pas de ta faute, d'accord? Je n'étais pas là. Non, ce n'était pas de ta faute. Tout va bien. Je n'étais pas là, j'aurais dû aller... Viens, viens t'asseoir. Tout va bien. C'est entièrement de ma faute. Tout va bien. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va! I say, gota non lady men, men don't need gota anymore, Woyo. Gota non lady men. Woyo. 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 Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez ça! Ouais. Vous êtes prêts? Écoutez ça! Ouais. Si vous êtes ouais. prêts, tout le monde, on y va! Je ne vous entends pas, si vous êtes prêts, levez vos mains! Ouais, allez, ouais. tout le monde! Où penses-tu aller comme ça? Hein? C'est à toi que je parle. Où penses-tu aller? Oh, après m'avoir versé du piment l'autre jour, quand j'en aurai fini avec toi, hein? La marque que je vais te laisser, même ta génération future naîtra avec cette marque. Je le jure devant Dieu. Allez, parle. Vas-y, parle. Tu ne veux pas parler? Parle. Parle. Okay. Et tu verras ce que je vais te faire ici. T'étais qu'une fille stupide. Du piment dans mon œil. T'as mis du piment dans mon œil. Regarde mon œil. Ok, je t'aime. Tu aimes qui? Tu m'aimes mon œil. Tu m'aimes mon œil. Qu'est-ce que tu aimes? Ok. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Hein? Moi qui ai quitté la maison de mon père à Banana Island pour venir t'aimer ici, pour suivre tes rêves, Ogene, tu es vraiment en train de me dire ça? Je t'ai suivi ici et je t'ai soutenu. Et maintenant que je suis ici, tu me traites n'importe comment, c'est ça? Si ce n'est pas Lola aujourd'hui, demain c'est Billy qui saute. Et après demain c'est Célia. Chaque jour c'est une femme après l'autre. Regarde comment tu me traites parce que je suis venue ici par amour, n'est-ce pas? Parce que je suis venue ici par amour. Pour être avec toi.
Tu m'embarrasses devant tout le monde. Mais ça va. Pas de soucis. C'est par amour. La mort ne peut pas nous tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est sans problème. Regarde comment tout le monde me regarde. Moi. Moi. Moi pour qui tu as souffert en courtisant. Moi. Oh, regardez comment vous êtes tout mignon. Pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas? Épousez qui? Épousez qui? Faudra me passer sur le corps pour que j'épouse cette fille. Cette idiote. Épousez qui? C'est soit elle me tue ou je la tue et je finis en prison. Ne fais pas attention à lui. Épousez qui? Tu vois tout ce monde qui nous regarde, ils sont déjà habitués à nous. Idiote. Ils ne veulent que bavarder. Allons-y, d'accord? Monsieur, retrouve-nous à la maison, elle a quelque chose à te dire. Ça ne m'intéresse pas, je suis pas intéressé. Elle a du travail pour toi. Je ne veux pas. Tu ne veux pas gagner de l'argent. Reste là. Il s'agit d'argent, tu ferais mieux de nous suivre. Qui est-elle? Reste là, demandez qui elle est. Ma sœur, allons-y, oublie cet idiot. Je veux savoir qui est-elle. Ok. Merci. Désolée pour ces dents. T'inquiète pas. Merci. Alors, Ogene, mon patron, il a vu tes blagues, il les a kiffées. Il les a vraiment aimées. Sérieuse? Donc, il m'a envoyé ici pour t'inviter. Avenue Presté pour lui. Tu vas venir? Il veut rigoler. Il veut que sa femme rigole. Elle n'a pas rigolé depuis 10 mois maintenant. La moindre petite chose, elle pleure. Si tu lui donnes ce que je bois, ce que je suis en train de boire, si elle le boit, elle pleure. Si on lui donne la crème, elle pleure. Tu fais ho, elle pleure. Hein? Je ne sais pas, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pourquoi? Elle a perdu ses jumeaux. Elle a perdu ses jumeaux. Il rentrait de l'école. Et le bus scolaire a pris feu. Toutes les personnes qui étaient à l'intérieur du bus ont été calcinées. Elle m'a aussi fait un enfant qui est mort. Ah, désolé, hein? Quand elle m'a vu, elle m'a aimé et elle est même tombée enceinte de moi. Depuis ce temps, nous sommes ensemble et nous nous aimons. Elle m'a suivi jusque dans ce village. Ses parents l'ont même déshérité à cause de ça. C'est pour cela qu'elle pleure. Hey! Désolée, désolée, désolée. Oh. Ah. Bébé, tout va bien. Arrête de pleurer. S'il te plaît, donne-moi le bouchon. Bébé, merci. Tout va bien. Arrête de pleurer. Laisse-moi. Pourquoi vient-elle par ici? Pourquoi? J'ai appris que tu veux partir à Lagos, c'est ça? Et c'est avec cette villageoise que tu veux partir, pas moi. Pourquoi? Ne fais pas attention à cette misérable, allons-y. Hein? Bien. Flash info. Je suis enceinte. Et c'est toi le responsable. Pars à Lagos, je vois, non? Chèvre, chèvre. Moins cher. Chèvre pas chère. Chèvre, chèvre, chèvre à vendre. Tantine, vous la voulez? Elle n'est pas chère du tout. En plus, elle est bien robuste. Vous ne voulez pas l'acheter? Moins cher.
Qu'est-ce que tu fais là? Je suis allée essayer de vendre cette chèvre. Hein? Personne n'a voulu l'acheter. Personne n'a même proposé un prix. Je suis fatiguée. Comment est-ce qu'on va aller à Lagos demain, Ogene? Qu'est-ce qu'on va faire? Et pourquoi tu n'es pas retournée chez toi? Il n'y a pas d'argent là-bas. Tu ferais mieux de trouver une autre stratégie. Je ne comprends pas. Tu n'as pas réussi à vendre la chèvre. Une simple chèvre, tu n'arrives pas à vendre. Attends, pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Bah, je te dis juste parce que... Est-ce que c'est moi la raison de ta pauvreté? S'il te plaît. Écoute, fais attention à comment tu me parles. Tu me comprends? Fais attention à comment tu me parles. Tu peux aller faire un prêt d'argent. Tout le monde se dit que j'ai de l'argent. Moi, que je descende aussi bas pour aller faire un emprunt, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne ferai jamais ça. Ah, dis-moi alors ce qu'on va faire. On va marcher. Parle, non? Allons-nous marcher jusqu'à Lagos? Hey, qu'est-ce que c'est? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ouvre ta main. Tu voulais te tuer? Pourquoi? Mais pourquoi? Tu me détestes à ce point? Tu me détestes au point où tu vas me laisser tout seul et abattu durant toute ma vie? La douleur. La douleur. Elle refuse de s'en aller. Je les vois tout le temps dans ma tête. Je les vois partout, dans chaque recoin de cette chambre, dans chaque recoin de cette maison. Je les entends t'appeler papa et m'appeler maman. Rappelle-toi, et c'est ainsi que nous leur avons demandé de nous appeler, parce qu'on se disait que père et mère étaient dépassés de nos jours. Bébé, s'il te plaît. Peu importe ce que tu veux, un FIV, des jumeaux, des triplés, des quadriplés, dis juste un mot et c'est fait. Je t'en prie, s'il te plaît, ne fais plus ça. Ne me fais plus ça. Pense en nous, s'il te plaît. Et si la réincarnation existe vraiment, est-ce que Tina et Mark me reviendront-ils? Exactement comme ils étaient, la même apparence. Ils reviendront, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Mais bébé, écoute, notre anniversaire de mariage est sur le point d'arriver. Et j'ai invité un comédien pour venir prester et nous faire rigoler. Ainsi que nos invités. Ouais, ce sera une bonne occasion pour nous de revoir nos invités. Tout le monde va rigoler, je vais rigoler, tu vas rigoler ainsi que nos invités. On va tous rigoler comme une famille. Un comédien dans cette maison n'effacera pas mes larmes. Bébé, c'est un début. Ça ne marchera pas. Mais c'est quand même un début, bébé. Ça ne marchera pas. Écoute, quand il va commencer à faire des blagues, tout le monde va se mettre à rigoler. Ainsi que toi. Comme je te l'ai dit, c'est un début. S'il te plaît. Donne-moi ta main. Tu vois ça? Va à l'intérieur et jette-les aux toilettes. C'est le seul moyen pour que je sois sûr que tu ne le referas plus. Allez, vas-y. Allez. Je reste là. Je t'observe. Vas-y. Vas-y, bébé, jette-les. Je t'observe. Attends, Ogene, tu es vraiment sérieux? Allons-nous vraiment arriver à Lagos de cette façon? Je ne savais pas, je pensais que tu blaguais. Ah, tu sais à quel point Lekki est loin? Environ 20 heures de route pour Lekki. Et tu veux qu'on y aille ainsi? Le temps que nous arrivions là-bas, tes pieds se seront déjà entièrement brisés. Tu es normal?
T'as vu comment je suis habillée? Regarde comment t'es habillée. Est-ce qu'on ressemble à des blagueurs? Ha! S'il te plaît, Organe, je ne sais pas quoi penser de ça. Écoute, détends-toi. La cérémonie, c'est demain soir. Nous avons le temps. Hein? Nous allons faire une pause de temps en temps pour nous dégourdir les jambes. Où allons-nous dormir quand la nuit va tomber? Bah, trouver un endroit. On peut dormir n'importe où. Il peut y avoir des boutiques vides sur le chemin. Des brocantes, des stations, des maisons en construction. Dans ce cas, pourquoi sommes-nous habillés ainsi? Pourquoi n'avoir pas attendu d'arriver à l'île? Damsel, tu poses tellement de questions. Hein? Au lieu de proposer des solutions, tu ne fais que poser des questions, une après l'autre. Pourquoi n'as-tu pas pensé à tout ça avant qu'on te quitte le village? Parce que tu écoutes mes conseils. Pourquoi voudrais-tu me conseiller? Hein? Non, dis-moi, pourquoi? Vis-tu avec moi? Pourquoi devrais-je vivre avec toi? Sommes-nous mariés? Très bien. Quand ton père a dit qu'il va me tirer dessus partout où il me verra, comment est-ce que je pourrais t'épouser comme ça? Damsel, descends. Tu es déjà fatigué? Hogan et nous n'avons que fait 57 minutes sur 20 heures. Pour quelle raison est-ce que tu me racontes ça? Hein? Ta montre ne fonctionne plus depuis très longtemps. Et je comptais te payer une autre quand nous serions à Lagos, après qu'on nous ait payé pour notre travail. Tu connais la route qui mène à Lagos? Bien sûr que je connais. Je sais que nous devons aller vers l'est pour arriver à Lagos. Alors allons-y. Tu en es sûr? Je ne veux pas me retrouver à Cotonou. Organe et Cotonou et après Lagos. Attends-moi mon pied. Dépêche-toi, arrête-moi. Odi, Odi, Ogene. Venez, c'est par là. Venez, courez par là. On va se cacher. Des bandits. On va se cacher par là. Allons-y. Ils viennent ici. Venez. Demande-moi, je suis leur chef. Non, allons-y, par là. Je sais où ils vont aller. Oui, on peut partir par là. Oui, allons-y. Allez, il y a une maison là. Allons-y. On va où? Par ici, par ici. Va par là. Regarde là-bas. Attends. Et mon vélo, Laisse ce truc. Partons d'ici. Maîtresse. Allez, coupe-moi. Comment est-ce que je vais te couvrir? J'ai eu peur, alors j'ai jeté le pistolet pendant que... J'ai Comment tu as jeté le pistolet? Tu as jeté notre seule protection. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est toi qui ne réfléchis pas. Si je ne jetais pas le pistolet, comment allions-nous faire pour faire croire aux gens que nous ne sommes pas des bandits? Pour s'échapper, le seul moyen c'était de jeter le pistolet. Maintenant, nous pouvons dire que nous sommes des élèves qui revenons d'une boîte de nuit et que nous avons été pourchassés. Nous sommes des victimes, nous aussi. Pourquoi est-ce que tu te fâches? Ce n'est pas bien réfléchi? Ah ouais, c'est vrai, d'accord, t'as raison. Maintenant, tu comprends, pas vrai? Ok, mais comment allons-nous justifier la blessure de Weldon? Mais qu'il est aussi une victime de la circonstance, fais voir, jetons un coup d'œil, jetons. Oh, regarde. Ah, aïe. Tu vois son pied? La blessure est grave, parce que je veux pas regarder. Ce n'est pas grave. Regarde, ce n'est pas grave. Ah, c'est vrai, ça?
Gloire soit à Dieu. Ces gens auraient pu me tuer. Ferme-la. Baisse le ton. Peut-être qu'il y a des gens cachés ici aux alentours. On ne sait pas. Hein? En fait, les gars, écoutez. Nous allons fouiller partout. Nous allons vérifier les alentours. Vous avez compris? Allez, les gars, fouillez. Dépêchez-vous, allons-en avant qu'ils nous découvrent qu'on se cache ici. Ce n'est pas prudent de rester ici, vous comprenez? Allons-y, ouais, c'est vrai, excusez. Allez, allons-y, les gars. Ces gars, cet endroit est très dangereux. Si nous trouvons ici, nous sommes morts. Alors allons-y. Ah, partons. On y va. Je vais me débrouiller. Eh ben, passez vite quand même. Viens. Bébé, viens. Sont-ils partis? T'es pas un être humain comme moi. Tu peux répondre à cette question toi-même. C'est-à-dire? Ce qui veut dire... Sont-ils partis? Moi aussi, je veux savoir. Tu aimes les problèmes. Écoute, nous sommes dans ce pétrin ensemble. Nous sommes ici ensemble. Tu m'as vu sortir pour aller vérifier s'ils sont partis ou pas. Hein? C'est quoi ton problème? Si tu me demandes à qui je vais demander, moi. Ah. Tu te querelles comme une femme. Hé! Dieu merci, ils n'ont pas remarqué ton vélo. Dieu merci, plutôt, ils n'ont pas remarqué ton parfum. Quelqu'un voyage pour arriver à Lagos demain et elle est censée mettre du parfum. Hein? Une personne qui sait qu'elle va arriver à Lagos dans 20 heures est-elle censée porter du blanc? Tu prends un vélo, tu veux pédaler jusqu'à Lagos pendant 20 heures comme un coursier. Malgré cela, tu décides de porter du blanc. Tu n'as pas seulement porté du blanc tout seul, tu m'as aussi convaincu de porter du blanc comme toi. Maintenant, regarde-nous. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que tu es stupide. Ogene, tu es stupide comme un âne. Eh, quoi? Va vérifier s'ils sont partis. Va vérifier, je veux dormir. Agibop, nous sommes là, nous sommes là. Agibop. T'as entendu ça? Ils sont en train de revenir au coin. Allez. Réfléchis un peu. Tu te caches au même endroit où nous étions d'abord. Tab, je réfléchis. C'est toi qui es stupide. Sors de là, avant que tu ne te fasses découvrir et qu'on nous attrape. C'est pas à toi que je parle. Allez, viens. C'est ici que tout se passe. Nous y sommes... Seigneur. Nous sommes arrivés. Oui. C'est ici que tout se passe. Laisse-moi te dire un truc. Je peux tuer n'importe qui, si je le veux. Juste un regard, et la personne mourra, si je le veux. Ce que tu me demandes est très simple. Après ce sacrifice, la mort de cet homme blanc, sera à toi. Eh, merci, Baba. Autre chose, si tu veux épouser le président américain, alors je te ferai épouser le président américain. Tout ce que je te demande, c'est de me ramener deux personnes qui sont amoureuses. Tu les ramènes ici, je leur coupe la tête, je fais le sacrifice. Merci, Baba. À présent, va y ruiner là-bas et reviens pour commencer le sacrifice. Ok, Baba. Ouais. Ahiro, nous sommes là. Ahiro, nous sommes là. Thank you.
C'est une sirène. Une sirène. Une sirène. Une sirène. Une sirène. Attends-moi. Tu veux que la sirène me tue? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces urines puent même. Tout ça c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas convaincu de te rejoindre là-bas, est-ce que ceci me serait arrivé? Regarde mes cheveux maintenant. Ah, mon Dieu, dans quel trou est-ce que nous nous sommes retrouvés cette nuit, Seigneur? Ah, ça pue, on dirait les urines d'un bœuf. Mais, je veux dire, par tous les dieux, nous avons offensé Dieu. Qu'est-ce que c'est? Hein? Écoute, nous devons très vite quitter cet endroit et trouver quelque chose d'autre. Trouvons une alternative, je suis fatigué de cet endroit. Hein? Déjà deux événements se sont produits cette nuit. Peut-être la prochaine fois, c'est un groupe de sorciers qui viendra pour la réunion. Bébé, désolé pour les urines. Hein? T'as vu ce marabout? C'est un charlatan. T'as vu comment il s'est enfui comme une poule? Un marabout qui s'enfuit comme ça, comme une poule? Ça, c'est pas un marabout. D'ici. Hein? Regarde dans quelle situation. Un marabout qui voit des bandits et s'enfuit? C'est un faux marabout. S'il te plaît. Hein? Toi, tu regarde comment il a eu peur et s'est enfui. Allons-en. Pardon, dépose ça. Tu veux disparaître? Mais c'est juste des œufs. Qu'est-ce qu'ils ont de mauvais? Dépose ça. C'est un sacrifice. Tu veux manger un sacrifice? Tu n'as pas honte? Partons d'ici. C'est quand des sorciers vont apparaître que tu sauras qu'il faut partir. Bonjour, madame. Vous m'avez fait appeler? Où est donc la machine à faire rire que vous m'avez promis? Une machine à faire rire? J'ai été informée qu'ils allaient prendre le bus et arriver ici à 8h du matin. Oh! Au Guinée et Denzel. Ils doivent être en route maintenant. Ils sont en route. Ils viennent. Ont-ils reçu une avance de paiement? Non. Dans ce cas, ils ne viendront pas. Ah! Madame, ils viendront. Ils viendront, ils viendront. Gardons espoir, madame. Ils viendront, ils viendront. De l'espoir? Oui. Votre espoir dans cette maison n'ont pas sauvé mes enfants de la mort. Alors, quoi de neuf? Comment tu vas? Je m'appelle Ogene, Odige comme diminutif, tu vois? Tu vois cette fille, cette sale fille là-bas? En fait, c'est ma petite amie. Je veux que tu rendes cette fille jalouse. S'il te plaît, je sais que tu peux faire ça pour moi. Rapproche, comporte-toi comme si tu es mon amoureuse d'il y a longtemps. Genre, on a eu un enfant et on est sortis ensemble et tout le reste. Je sais que tu ne me connais pas, d'accord? Mais je veux que tu joues le jeu. Fais le juste pour moi, s'il te plaît. Je veux que tu m'aides à faire ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu voulais lui demander de l'eau pour laver nos bouchées et nos visages. Pourquoi est-ce que tu la regardes dans les yeux et tu murmures? De quoi parlez-vous, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'important. Je lui ai demandé de faire semblant d'être mon amoureuse de longue date. Donc, fais-moi confiance, ce n'était rien. Allez. Arrête. Ok. Pas de problème. C'est à toi que je parle. J'en ai marre de tes bêtises. Viens là, quoi. C'était juste pour te faire marcher. Je voulais te rendre jalouse. Allez. Continue avec tes conneries. Tout ceci était planifié. Hé, quoi? Est-ce que t'as pris du bois ou quoi? Mince! Ah, monsieur William, merci pour votre présence. Allez, je devrais être là. Je veux dire, 9 ans, ce n'est pas rien, vous savez.
dont cette occasion mérite d'être fêtée. Je vous remercie encore. Votre présence me fait vraiment plaisir parce que je sais que vous avez un emploi de temps très chargé, alors je n'imaginais pas que vous seriez présent. Ce n'est pas grand-chose, hein. C'est juste une célébration. Mais j'espère que vous ne partirez pas tôt. Non, je suis encore là. J'ai une surprise pour madame. Tu es sérieux? Mais bien sûr. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Tout va bien? Chérie, prends un verre. J'arrive. C'est lui là. Waouh, mon bébé, tu es tellement si belle. Tu es ravissante, bébé. Tu en jettes. Dis-moi, comment t'es-tu soudainement transformée? Merci. Et lui, qui c'est? Tu sais, vu que tu as décidé que tu allais me présenter ton ex, eh bien, j'ai décidé que j'allais à... Oh non, ne me dis pas que c'est aussi ton ex. Tu sais quoi? Je vais le laisser se présenter lui-même. Tim, à toi. Bro, tu sais quoi? Tu vois les années passées. Cette belle poupée. Tu vois, on était dans la chambre. On a bloqué la porte. Alors les voisins, oh, ils ont commencé à se plaindre. Tu sais pourquoi? Parce que les bruits, tu vois. Mais le bruit était trop fort. C'était trop fort le bruit, tu vois. Tu vas la fermer et dégager de là? Tu es normal, hein? Mais tu ne l'as pas du tout, bro. Tu sais, il était une fois. Cette dame que tu vois là, je te l'ai pas dit. Nous gagnons les trophées du meilleur chanteur chaque année. Chaque année, trophée du meilleur chanteur, TMC et Tim. Oh oui, mais elle t'a quand même quitté pour être avec moi. Ouais, hein? Ouais. Entre la poule du village et celle de la ville, laquelle est la plus forte? Tout le monde sait que... La poule du village est plus forte que la poule de la ville. La poule du village est plus forte. Les poulets de ferme n'ont pas le niveau. Qu'est-ce que tu penses? Tu veux venir m'intimider? Tu es fou? Hein? La nourriture chaude et la nourriture froide, qu'est-ce qui est meilleur? Tu vois ma petite amie là? Quoi? Elle aime la bouffe. C'est qui ça? Elle aime bavarder, ton mec. Merci d'avoir permis qu'elle se change chez toi. Et aussi d'avoir pris un bain chez toi. Et merci de ne pas m'avoir fait entrer dans ta sale maison. Ça va pas, là, c'est moi que tu veux intimider. En ce qui me concerne, mon bain, je le prendrai plus tard dans la soirée, après avoir gagné de l'argent. Et maintenant, toi, viens là, on y va. Tu te souviens qu'elle a laissé ses habits chez moi il y a 3 ans? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a plu sur tous ses habits. Tous ses vêtements étaient mouillés, tous. Tous ses vêtements, bro. Je suppose que tu sais ce que c'est que d'être en tenue d'Adam. Toi, tu es cinglé, mec. Viens par ici, toi. Cher monsieur, hein? Ta copine, ma petite amie, ta copine a dormi chez moi il y a 3 ans. Hé, mec, tu laisses ton vélo. Tu veux voler ma petite amie? Va te faire foutre. Viens enlever ce truc de chez moi. Enlève ça. Tu dois être fou. C'est mon vélo que tu bottes. Tu es fou. Tu me traites de fou, c'est ça? Ok, tu es fou. Allez, touche encore à mon vélo. Vire-le d'ici, DMC. T'as perdu la tête. Malade. Allez, dégage. Tu es fou. Là, je t'aime, DMC. Dieu te punira, tu comprends? Allez, t'es mon cœur. T'es fou, mec. Pauvre con. Tu n'as pas de vie. Oh, arrête de parler comme une femme. Tu t'en vas, hein? Allez, fiche le camp! Waouh! Il était une fois, bro! Waouh! C'est quoi ce mec? Dame, c'est quoi ça? Waouh!
Damsey, tu vois comment tu termines ta vie? Ah, j'ai pitié pour toi. Et puis zut. Oji. Oji. Écoute, quand nous aurons cet argent, je vais récupérer ma part et m'en aller. Je veux me dire que c'est la seule chose que j'ai obtenue de cette relation. Je veux dire, regarde ma vie. Hein? Je ne sais même pas comment est-ce que ma vie a basculé de cette façon. Tomber amoureuse d'un comédien de rue qui était venu prester à mon université. Tomber enceinte de lui. Me faire déshériter par mes parents. Perdre le bébé. Ah. En plus, le pire dans tout ça, c'est de devoir te supporter toi et tes nombreuses conquêtes. J'ai envie de partir de ce village paumé. Me trouver un endroit à moi, comme ça je pourrais être loin de toi et de tes femmes. De tous ces drames. Mais regarde-moi aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qui ne va pas avec moi. J'ai trop honte de moi pour retourner chez mes parents pour qu'ils me pardonnent. Je suis trop fauchée pour retourner à l'université. Et je... Je suis tellement amoureuse de toi pour pouvoir réfléchir clairement pour une fois et juste te quitter. Qu'est-ce que tu m'as fait, Oji? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu utilises pour me retenir? Parce que ça ne peut pas être normal. Ce n'est pas possible, Oji. Oji, c'est à toi que je m'adresse. Parle-moi, dis n'importe quoi. Ah, ah. Je te pose une question et toi, tu jettes des cailloux. Oji. Oji. Oji, tu m'as fait quelque chose, je jure. Ah. Mais qui t'a envoyé dans ma vie? Qui? Je m'en sortais très bien, Seigneur, je m'en sortais bien. Je m'en sortais bien. Tu es arrivé, tu as tout gâché. Qui t'a envoyé? Excusez-moi, madame. Excusez-moi, monsieur. Qui a-t-il? Ils sont là. Ils sont ici? À cette heure? Oui, monsieur. Alors que tout le monde est déjà parti? Venez, venez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ça? Écoutez, madame. Monsieur, ne vous en faites pas. Écoutez, quand je vais commencer, 2 secondes, ça va prendre feu. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Tout va très bien. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Non, sérieusement, qu'est-ce qui va pas chez vous? Je vous ai dit que cet événement était en journée, et non en soirée. Ça a commencé à 10h et les gens ont commencé à s'en aller à 17h parce qu'ils étaient déjà pleins. Et je vous ai dit d'être là à 12h. Et vous, à quelle heure êtes-vous arrivé? 18h. Qui fait ce genre de choses? Monsieur, Mlle Clark m'a dit que c'est madame qui avait besoin de rigoler, et non les gens. Alors, s'ils veulent partir, qu'ils s'en aillent, du moment où madame rigole, hein? Moi, ça m'arrange, c'est la chose la plus importante. Il est vraiment drôle. Mais c'est pas drôle. Pas du tout. J'ai besoin d'une chèvre. Il me faut une chèvre là maintenant. Comme ça, tu veux être payé alors que tu n'as rien fait? Ce mec est vraiment incroyable. Non, madame, je n'ai pas dit que la chèvre était un moyen de paiement. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Renseignez-vous sur moi. Oji. Oji. Oji, tout le monde me connaît, je suis très populaire. Je fais arriver les choses. Si je preste ici, monsieur, j'ai besoin d'une chèvre. Il me faut une chèvre là tout de suite. Arrête. Attends, non, attends. Donnez-moi une chèvre. Il me faut une chèvre. 2 secondes. Renseignez-vous sur Oji. Ah. Monsieur, vous en faites pas. Écoutez, patron. Hey. Monsieur, si vous m'envoyez en enfer maintenant, je peux faire rigoler le diable. Je le jure. Ce n'est pas... Lâche-moi! Vous savez, monsieur, écoutez, donnez-moi juste une chance et vous verrez ce qui va se passer. J'ai appris que madame ne rigole pas depuis qu'elle est née. Mais aujourd'hui, madame... Madame va rire. Écoutez, monsieur,
Juste, apportez-moi juste une chèvre là tout de suite et vous verrez un miracle s'opérer. Et toi, avance. Car moi, je parle d'une chèvre. C'est l'histoire d'un marabout qui aperçoit des bandits et se met à s'enfuir. Baba, attends, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Je croyais que tu avais dit que j'étais l'homme le plus fort de cette communauté. Baba dit, écoute, je ne suis pas en train de m'enfuir. Tu comprends, il est dit que celui qui laisse un combat pour s'enfuir combattra un autre jour. Baba, le plus puissant des marabouts, a pris ses jambes à son cou. Il a couru si vite sans... sans me prendre la peine de se retourner. J'arrive. Salut. Bonjour. Bonjour. Madame. Elle, c'est Clark. Mademoiselle Clark, salut. Bonjour. Bonjour. Je peux voir que ton mari est encore endormi. Qui? Celui-ci, mon mari? Oubliez ça. Est-ce qu'il peut payer une dot? Il n'a pas d'argent. Vous blaguez surtout. C'est cool. C'est cool. Ah, Madame Nancy, bonjour, madame. Mm-hmm. Bonjour à l'homme à la chèvre. Eh bien, je ne suis pas ici pour vous prendre beaucoup de temps. Je sais que vous devez voyager très tôt aujourd'hui. Mon mari a voyagé pour Abuja ce matin. Alors, il m'a envoyé vous voir. Il m'a demandé de vous donner ça. Dans ce sac, il y a 20 000 naira et aussi un lingot d'or. Oui, un lingot d'or très très coûteux. Nous avons décidé de vous payer en lingots parce que vous avez dit que vous ne pouvez pas trimballer du liquide sur vous d'ici jusqu'à votre village et que vous n'avez pas de compte bancaire. J'ai un compte. Mais ne faites pas le paiement dans son compte. Je t'aime, mais je te fais pas confiance. Eh bien, donc, le voici. À l'intérieur, il y a 20 000 naira. Okay. Et voilà le lingot d'or juste là. Waouh. Oui, alors... trouvez un acheteur, amenez-le à la banque. Assurez-vous d'être à un endroit sécurisé. Et le hall de la banque est sécurisé. Donc, quand vous y serez, qu'il vous paye, ouvrez votre compte immédiatement et faites le virement en sécurité. Et vous n'aurez pas à trimballer du liquide partout. C'est une idée formidable. Je ne vais pas oublier tes blagues d'aussitôt. Merci, je n'avais pas autant ri depuis très longtemps. En fait, depuis que j'ai perdu mes jumeaux. Alors... faites un bon séjour. D'accord. Merci. Soyez prudente au volant. Bonne route, madame. Bye-bye. Portez-vous bien. Bye. Dieu vous bénisse. Au revoir, madame. À plus. À très bientôt. Allons changer ça. Allez où? On y va. C'est quoi ton... Allons-y. La femme qui a apporté cet or n'est même pas encore partie. Pardon, laisse-moi ça. Allons le changer pour que je prenne mon argent. Allez, viens, on y va. C'est quoi? Attends, mais c'est quoi ton problème? N'as-tu pas assez dormi? Tu es venu à Lagos pour dormir? Allons-y. Je t'assure. Je vais me vanter tout le trajet, tu vas voir. Et moi alors, regarde-moi. Je vais me vanter. Tu te rappelles de ce plat choisi qu'on allait acheter? Oui. Lequel cette exactement? Cette nourriture. Lequel exactement? Cette nourriture, non? Oh, cette nourriture me manque. Qu'est-ce qui...
qu'il y a? À présent, j'ai besoin de nouveaux vêtements. Non, non. Nous avons besoin de nouveaux vêtements. Tu es malade? C'est quoi jeu? Oh, je vais faire du shopping immédiatement. Ah. Mais attends, Oji. Je vais faire du shopping. Oji, attends. Ne cachons pas quelque chose comme ça. Nous pouvons le vendre. C'est réel. Les choses ont changé. Notre statut a changé. J'ai percé. Tu sais... Mon père devrait te voir aujourd'hui. Oh, ton père. Même ton père va me respecter cette fois. Parce que raison. Ce n'est plus l'époque où il se foutait de moi. Écoute. Si ton père me voit, eh bien, ton père, je vais lui donner de l'argent. Beaucoup d'argent. Bébé, viens. Bébé, hein? Approche. Mon père ne veut même pas me parler. Combien de fois, toi? J'ai de l'argent. Tu vois, c'est la raison pour laquelle tu dois me respecter. Tu sais que j'ai raison. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, fais-moi voir l'or. Voici l'or. De l'or pur. Tu veux dire que vous l'avez depuis tout ce temps? Ah, écoutez... Même quand vous êtes venu chez moi? Je l'avais depuis tout ce temps, monsieur. D'ailleurs, les employés de l'hôtel qui nous ont parlé de vous ne nous ont jamais dit si on pouvait vous faire confiance. Alors, j'ai décidé de vous faire venir jusqu'ici. Eh bien, je comprends. On ne sait jamais à qui faire confiance dans ce genre d'affaires. Ça, c'est de l'or pur. Combien est-ce que tu en veux? Monsieur, il y a quelque chose que j'ai vu dans votre cour. Oui, et ça m'intéresse. Et la vérité ici, c'est que si vous me donnez de l'argent maintenant, il n'y a aucun moyen pour que je puisse fructifier cet argent très bien, vous voyez. Avant de m'en rendre compte, tout cet argent se serait évaporé. Nous allons finir de boire avec cet argent. Même ma femme ici voudrait aller faire du shopping. Donc, il est mieux que je cherche quelque chose de lucratif qui pourrait nous faire gagner de l'argent. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de... Vous voyez, comme je l'ai dit, je suis intéressé par cette chose que j'ai vue dans votre cour. Qu'as-tu vu dans ma cour d'aussi spécial pour que tu aies envie d'investir? Monsieur, les bus dans votre cour doivent être plus chers que ces lingots d'or. C'est pas possible. Je crois que ce bus m'intéresse. Tu es malade? Oh, tu vas la fermer? Tu vas la fermer? Je vais te dire un truc. Tu n'as fait que tenir la corde. Et j'ai raconté toutes les vannes. T'as rien fait du tout. J'ai raconté toutes les blagues. Ces lingots d'or sont à moi. Alors, chef, est-ce que ce bus n'est pas plus coûteux que ces lingots d'or? Bien sûr. Combien coûte cet or? Cet or ne coûte même plus 500 000. Ce bus que tu as vu ne peut pas coûter moins d'1,2 million. Et c'est le prix minimum auquel tu peux l'avoir. Et... Madame Dansel... Monsieur? Que connaissez-vous sur le prix de l'or et de sa valeur? Voilà. Désolé, monsieur. Êtes-vous au courant qu'actuellement sur le marché, le prix de l'or a baissé drastiquement depuis l'effondrement soudain de l'économie. Depuis cet effondrement soudain, ça a baissé drastiquement de telle sorte que le prix du diamant, qui rivalisait avec l'or, est maintenant 30 fois plus cher. Les gens font tout pour se débarrasser de leur or dans cette économie qui s'effondre. J'aime juste le sens des affaires de ton mari et sa réflexion, c'est la raison pour laquelle je pense reconsidérer son offre. D'accord, aussi monsieur. Parce que je suis de très bonne humeur aujourd'hui, donc je crois que je me dois de... Merci infiniment, monsieur.
Vous voyez cette vie, mes frères? Elle n'est pas équilibrée. J'ai dit quoi? Cette vie n'est pas équilibrée. Parce que personne ne connaît le lendemain. Alors, qu'est-ce que j'essaye de dire? Dieu m'a béni. Dieu a béni Oji. Qui suis-je? Non, la question que je voulais poser, c'est... Qui était Oji dans ce village? Un villageois ordinaire. Je suis allé à Lagos. On m'a reconnu là-bas. On m'a reconnu en ville, pourquoi pas au village? Regardez mon bus. Qu'est-ce qui est écrit sur ce bus? Ogene? Peu? Jouer! J'ai spécialement payé les meilleurs écrivains de Lagos. Des vrais écrivains, hein? Juste pour faire ça. Rien que ça. Les meilleurs écrivains. Oji a payé. Non, mes frères, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Celui qui pense que c'est facile qu'il aille faire, je vois comment il part. Mais je l'ai fait. Tout ça pourquoi? Simplement parce que je veux apporter du progrès dans notre communauté. Parce que Dieu ne nous abandonnera pas. J'ai dit quoi? Dieu ne nous... Je voulais vous remercier, mes frères. Je veux remercier chacun d'entre vous qui êtes venus vous réjouir avec moi. Regardez la vie de Franck et Peter, où en sont-ils? Ce sont des gens qui sont proches de moi. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant. Ou alors qu'ils n'ont pas entendu. Mais qui veut venir voir Oji? Autre chose encore. La jalousie est une mauvaise chose. Qu'est-ce que j'ai dit? La jalousie est une mauvaise chose. Comme vous me voyez là, je ne suis pas un idiot. Je suis quand même allé à l'école. Même si je me suis arrêté au primaire, je suis quand même allé à l'école. J'ai un peu d'intelligence là. Je connais quand quelqu'un me fait du bien et quand quelqu'un me fait du mal. Même ma femme qui est assise là, regardez-la très bien. Elle a aussi arrêté l'école. À sa deuxième année d'université. Elle est tombée enceinte de moi. Hein? Elle et moi sommes toujours ensemble. C'est fort? Damsel, n'es-tu pas tombée enceinte de moi? Est-ce que je n'étais pas enceintée? Je te pose la question. N'aie pas honte, regarde-moi. Regarde-moi, voilà. Allez, refais-moi ce sourire que tu m'as fait le jour où je t'ai mis enceinte. Vous voyez, vous tous, vous avez vu, hein? Ce bus que vous voyez là, je l'ai acheté pour mon travail de comédien. Je vais aussi l'utiliser pour porter tous les enfants qui sont dans ce village et les amener en ville pour leur montrer la voie à suivre, pour qu'ils réussissent aussi comme Ogene a réussi. Est-ce là une mauvaise chose? Non, c'est une mauvaise chose, mon frère. Alors, dis-moi pourquoi je ne vois pas une foule de gens ici pour se réjouir avec moi? Dites-moi pourquoi ce n'est que toi qui êtes là avec moi. Non, dites-moi, pourquoi est-ce que vous détestez votre frère? Vous aussi, vous n'allez pas progresser. Bien, ma femme a accidentellement donné quelque chose d'une grande valeur à votre ami comédien que vous avez fait venir du village. Quelque chose d'une très grande valeur pour moi et de très important. C'est un lingot d'or. Hein? Au lieu de leur donner le bracelet en or et la chaîne en or qu'elle portait en guise de paiement, elle n'a peut-être pas compris ce que je lui ai dit et leur a donné mon lingot d'or. Vu que vous le connaissez et que c'est vous qui êtes venu avec lui, je me disais que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut connaître son contact. Vous voyez une chose qui va nous aider à le tracer et à connaître son domicile. Vous suivez? Donc, je compte sur vous à présent, Simon. J'ai besoin d'aide. Monsieur, je vais le faire. On y va. Ah! C'est toi qu'on a envoyé, non? Je reste. N'es-tu ici. Pas celle qui connaît la route pour le village? Allez, on y va. Désolé, monsieur.
millions de naira. C'est trop énorme pour toi à payer pour mon bonheur. Ce comédien m'a ramené à la vie, même si c'était pour un moment. Je te comprends pas. Qui t'a dit que ce lingot d'or avait une valeur de 6 millions? Quelque chose que j'ai acheté à 47 millions de naira. Quoi? Tu as dépensé 47 millions de naira pour un simple lingot d'or? Pourquoi gaspiller autant d'argent? Comment ça, gaspiller de l'argent? C'est un investissement. Si tu ne le savais pas en ce moment, ce lingot doit avoir une valeur de 80 millions. Maintenant, tu comprends? Vous les femmes, vous ne comprenez rien. Ferme-la, Brodrix. Que veux-tu dire par vous, les femmes? T'aurais pas préféré que j'utilise cet argent pour t'amener faire du shopping, ou aller en vacances, ou t'acheter une nouvelle voiture? Hein? T'aurais pas été contente? Regarde à quel point tu es misérable en ce moment. Bébé, rappelle-moi pour que j'installe la clim, ok? Ok. Et merde, j'en peux plus là, j'en peux plus. Ok, j'ai compris. Hey, comment allez-vous? Je vous parle, non? Comment vous allez? Un instant. Donc, vous êtes incapable de me saluer maintenant? C'est à vous que je parle, donc vous êtes incapable de me saluer? Qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est déjà à ce niveau-là? Bébé, non, mais... C'est bon, Non, attends, non! Je m'adresse à vous, et vous parlez à quelqu'un d'autre? Vous refusez de me saluer, c'est ça? S'il vous plaît. Nous pouvons acheter quelque chose et partir d'ici. Vraiment? C'est quoi ça? Non, je comprends. Bébé, calme-toi. Non, qu'est-ce que tu dis? Ces gars, c'était mes batteurs. Tu ne les reconnais pas? Bébé, regarde-les bien. Ah non. Ah non. Vous ne voulez pas vendre? Ah non. Toi. Non. Attends. Non, je comprends. Non, pas de souci. Parce que j'ai un bus. Je comprends. Je me balade avec ma copine, ma ravissante copine. Vous comprenez? C'est pour ça. Là, nous buvons des jus. Tout va bien. C'est pourquoi vous êtes jaloux. Pourquoi, dites-moi, pourquoi jusqu'à ce niveau? Mais vous n'avez encore rien vu. Ce n'est que le début. C'est pas de leur faute, bébé. C'est pas de leur faute. Bébé, ne te fâche pas. Calme-toi et achète-nous quelque chose. C'est pas de leur faute. C'est quoi tout ça? Je ne vous en veux pas. C'est pas de votre faute. Clark? C'est pas de leur faute. C'est trop de familiarité qui engendre le mépris. Je dis, c'est trop de familiarité qui engendre le mépris. C'est pas de leur faute. Qu'est-ce qu'il y a? Que je ne vous vois plus dans mon groupe. J'ai plus du tout envie de vous voir. Madame? Ah, Simon. Où est l'or? Ce n'était pas notre or. Nous l'avons vendu, non? Dans ce cas, amenez-moi où vous l'avez vendu. Emparez-vous de lui. S'emparer de qui? Hey, ce gars m'a frappé. Mon œil s'est percé. Pourquoi? Mon œil. Bébé, trouve-moi un bâton. Non, bébé, je te jure, bébé, ne m'arrête pas. S'il vous plaît, je sais où l'or se trouve. Ne m'arrête pas. Je sais où on peut le retrouver. Je vais vous y emmener, c'est à l'égosse. Je n'ai pas de problème avec vous. Conduisez-moi juste à la personne à qui vous l'avez vendu. Ok, pas de problème. Mais ne le frappez plus. Non. Mettez-le dans le bus. C'est quoi le problème? Où est-ce que vous m'emmenez? Mettez-le dans la voiture! Attendez! Les gars, vous ne pouvez même pas me défendre! S'il vous plaît! Vous ne pouvez même pas me défendre! Dans cette communauté d'où je viens, la haine est une mauvaise chose! Bébé, monte! Mademoiselle Clark, dans la voiture! Mon bébé, viens avec moi! Viens avec moi, bébé! Monte, bébé, viens! Tu sais quoi? Toi, attends, bébé! Je suis avec toi! Dans cette communauté, vous ne pouvez pas me défendre! Je suis là! Non! Je suis avec toi! Attends, bébé, tu es là! S'il vous plaît, monsieur, madame, s'il vous plaît. Laissez-moi aller le supplier. Je suis une femme. Je vais me mettre à genoux et pleurer. Et
Il va nous remettre le lingot d'or et reprendre son bus. S'il vous plaît, donnez-nous une chance, s'il vous plaît. Qu'en est-il de lui ? Monsieur, ne vous en faites pas pour moi. Hein ? Ne vous en faites pas pour moi, vous pouvez m'enfermer dans une chambre. Du moment où vous me donnez à manger, je peux patienter jusqu'à ce qu'elle revienne. Patienter ? T'as vendu un vieux bus en échange d'un lingot d'or d'une valeur de 47 millions de naira. Et tu dis qu'il va te le rendre parce que tu es quoi ? Une femme ? Laissez-moi essayer, monsieur. Laissez-moi essayer. J'ai un plan. Mais, J'aurais besoin d'un peu d'argent venant de vous pour exécuter ce plan, monsieur. Je pense que tu devrais lui donner cet argent. Oui, tu veux récupérer ton lingot d'or, n'est-ce pas? Donne-lui de l'argent qu'elle essaye. Donne-lui l'argent. Et Ogene, tu peux rester dans la chambre d'invité au rez-de-chaussée. Non. Ok, madame. Hey, assieds-toi. Tu vas rester derrière. Il y a une chambre vide là-bas. T'as qu'à mettre un matelas au sol. Assure-toi qu'il ne pose pas pied dehors. Ça n'arrivera pas, monsieur. Mademoiselle. Monsieur. De combien as-tu besoin ? Bienvenue, chérie. Damsel. Vas-y, entre. Je dois avouer, tu es ravissante. Prends place. Merci. Ouh. Wow. Est-ce que tu as encore de l'or pour moi? Je n'ai pas été en mesure de te sortir de ma tête. Vraiment? Mm-hmm. Parce que je te plais. Parce que tu... Oui. Nous avons, moi et mon petit ami. C'est pour cette raison que... de sale, porc, égoïste. Donc c'est pour cette raison que tu m'as fait venir ici. J'étais sur le point de le faire. Oh, très bien. J'étais sur le point de le faire. Oui. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici. Amusant, n'est-ce pas? Wow! Écoute-moi et écoute-moi très bien. Tu vas me rapporter mon or et reprendre ton pied d'atterraille qui est garé dans le parking. Ok. 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 Tu ferais mieux de commencer à appeler. Dépêche-toi! Je vais passer des coups de fil immédiatement. Bien. J'appelle immédiatement. Écoute-moi. Je serai à la réception à t'attendre. Et n'essaye pas de faire quelque chose de stupide ou d'essayer quelque chose de stupide. Ok? Ok. Très bien. Ok. Alors comment ça fait? Si tu essayes quelque chose, mes amis ici présents vont s'assurer que le service de chambre retrouve ton corps demain matin! Wouh! Je vous en prie, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Je vais passer des coups de fil. Passe des coups de fil. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je passe des coups de fil. Tu ferais mieux de m'appeler dès que tu auras l'or. Je vais t'attendre à la réception et là, je pourrai leur demander de te relâcher. Ok. Jusque-là, voici ta clé. Je suis sûre que tu connais où ton bus se trouve. Tu le reconnais, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Ciao. Appelle. Ok. J'appelle. Ça ne passe pas. Je vous en prie. N'approche pas avec cette machette près de moi. Je suis allergique aux machettes. S'il vous plaît. Nous pouvons négocier comme des gentlemen. Peu importe ce qu'elle vous ait donné, je peux vous donner le double ou si possible, triplé. Et ils n'ont même pas l'air de faire attention à ce que je dis. Hey. Que fais-tu ici? J'ai l'or, monsieur. Ah ouais? Montre-moi. Ok, passe-moi le sac. Faut que j'aille montrer ça à mon patron pour qu'il confirme si c'est le vrai ou c'est le faux. Reste là.
D'accord. Tu bouges pas. Les gars que j'ai engagés, on peut trouver cet homme. Oui, ils ont réussi à récupérer votre or. Je leur ai promis 200 000 Naira. Je ne voulais pas vous en parler avant de l'avoir trouvé. Comment t'as fait ça? Voilà, en fait, se sont rendus chez le monsieur et ont acheté son chauffeur avec 50 000 Naira. Alors, il est rentré dans la maison et a volé le sac. En fait, il demande que je le leur rembourse, ce qui fait un total de 250 Naira. Depuis que tu travailles dans cette maison, je pensais pas que tu pouvais être aussi futé. Je pensais que t'étais toujours stupide. De toute façon, 200 000 est petit comme récompense. Je vais te donner 500 000 Naira. Ah, merci infiniment, monsieur. Je vous suis reconnaissant. Quoi? Waouh! Elle a réussi! Non, c'est Simon qui a réussi. Simon? Waouh! Hé, bébé, prends-nous des billets. On part n'importe où tu voudras. Aux Maldives, au Canada, en Amérique, n'importe où. Tahiti? Et bah, qu'est-ce qu'on attend, on y va? Prends-nous des billets pour les États-Unis, pour qu'on puisse aller vendre ça. Et de là, on prendra le vol pour Tahiti dans des jours. Ça te convient? Ça me convient. Ok, c'est une bonne idée. Messieurs, tu fais quoi encore là? Tu veux l'argent maintenant? Allez, vas-y. Vas-y, je vais t'envoyer l'argent plus tard. Vas-y. Bye bye. Oh, je suis très content, bébé. Ouais. On l'a retrouvé. J'espère qu'à notre retour, que je serai enceinte. Eh ben, ça sera formidable. Viens là. Va-t'en! Prends cet argent. Écoute, mon patron a dit que si jamais ta paix soit près de sa maison, il appellera la police. Maintenant, allez-vous-en. On y va. Allons-y. On y va. Dieu merci, nous sommes enfin. Dégagez! J'ai rendu l'or. Nous devons être payés. C'est bon, évitons la police. J'ai rendu l'or. Oji. C'est de la matière grise. Personne ne peut rivaliser. Qui est-ce? Entrez. Oh. Simon? Mademoiselle Clack. Écoute. Mademoiselle Clark, je vais t'épouser. M'épouser? Oui. Comment? Pourquoi? Attends, regarde. J'ai de l'argent. Il y en a beaucoup plus où j'ai pris ceci. J'ai environ 500 000 Naira juste pour toi. Allez, tiens. Ah, Simeon. Tout ça pour moi? Simeon, c'est beaucoup d'argent. Je sais. C'est beaucoup d'argent. Je sais. Ah. Merci. Simi. Allez, viens là, mon bébé. Mon bébé. Madame Nancy, bonjour madame. Non, ce n'est pas vrai, madame. Nous, on a dormi dans un motel. Oui.
Madame, ne vous en faites pas. Je vais tout vous raconter. Oui, je vais tout vous expliquer. Ok, madame, merci. Merci, madame. T'as vu? Ça a marché. Viens, allons-y. Ok. Qui est là? Miss Clark. Bonjour, madame. Simon n'est pas dans sa chambre. Où est-il? Miss Clark. Madame. Simon est-il dans ta chambre? Oui, madame. Il a dit qu'il veut m'épouser. Bonjour, madame. Regarde-toi. Donc, tu es un menteur et un voleur? Madame? Sale fripouille. Écoute, tu as 10 minutes pour quitter ma maison et ne plus jamais revenir. Il m'a tout raconté. Ah, que se passe-t-il? Madame, qu'est-ce qu'il a fait? Simeon, Miss Clark est-elle au courant de tout ce que tu as fait? Non, madame. À présent, va-t'en de chez moi. Va-t'en immédiatement avant que je n'appelle la police. Madame, écoutez, je vous en supplie. Madame, j'ai peut-être tapé par ailleurs. Je veux retourner à l'intérieur. Juste une minute pour me changer. Bébé? Bébé? Bébé, tu dois descendre. Simeon a mis le feu dans cette maison. Bébé? $3 millions de Naira. Merci beaucoup, monsieur. Hey. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci. Que Dieu vous bénisse. De rien. Donc, vous allez aller directement à la banque? Oui, monsieur. Encaisser oui, le chèque? Oui, madame. Et ensuite, ouvrez un compte. Ok. Après quelques jours, retournez-y okay. Et retirez ce dont vous avez besoin, c'est oui, tout. Oui, madame. Merci, merci. Bébé, 3 millions de Naira, c'était une grosse affaire. Dis-moi, comment allons-nous le partager? Comment allons-nous comment partager l'argent? Comment veux-tu qu'on se partage l'argent? On partage, non? 50-50, à part égale. Mais écoute, bébé. J'ai des projets pour cet argent. Quel projet? Louer une belle petite maison et recommencer notre vie à zéro. Recommencer quelle vie? Je ne veux pas. Donne-moi juste ma part. Toi et tes multiples femmes, je ne te fais pas que confiance. Que veux-tu dire par je ne te fais pas confiance? J'aime pas ce que tu dis. C'est à cause de ces 3 millions de Naira que tu m'insultes. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je ne veux pas faire partir de tes projets. Donne-moi mon argent. Tu as oublié que Lola est enceinte de toi, n'est-ce pas? Je viens chercher Lola, la main. Je ne te fais pas confiance. Donne-moi mon argent. J'ai dit que j'ai des projets pour nous. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Okay, donne-moi mon argent. Mais calme-toi un peu. Oh. Donne-moi ce chèque. Attends. Donne-moi ce chèque. J'ai des projets. J'ai un plan. Voyons, calme-toi. Quand je vais, nous allons gagner plus d'argent. Je sais ce que je dis. Donne-moi ce chèque. Attends. Qu'est-ce que t'as fait? Tu viens de déchirer le chèque? Tu viens de déchirer ce chèque? Ogené! Non, c'est pas vrai, non, tu as déchiré le chèque, tu viens de déchirer un chèque de 3 millions de Naira. Oh mon Dieu, comment je fais maintenant pour encaisser mes 3 millions de Naira? Non, fais-moi confiance de toute ma vie, je ne te le pardonnerai jamais. Oh mon Dieu. 3 millions de Naira. 3 millions de Naira. 3 millions de Naira. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Dieu va te punir. 3 millions de Naira. Oh non. Par où je vais commencer? Dieu va te punir, damsel. Dieu va te punir. Regarde ce que t'as fait. Comment est-ce que je vais recommencer à zéro? Ah, oh mon Dieu! Damsel, Dieu te punira! Dieu te punira! Tu vas voir! Dieu te punira!
Dieu te punira. Dieu te punira. Dieu te punira. Tu vas voir, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Tu vas voir, tu vas voir. Crois-moi, tu vas. Tu vas voir. Dieu va te punir. Angané. Alors, comment se porte notre bébé? Quel bébé? Tu n'as pas de bébé avec moi. Lola, avant que je ne parte pour Lagos, tout s'est passé. Et tu m'as dit que tu portais mon enfant. J'ai menti. J'ai appris que je te rendais à Lagos pour te faire beaucoup d'argent. Alors j'ai menti, ok? Alors pourquoi tu me dis la vérité maintenant? Parce que tu es fauché. Personne dans cette communauté ne veut se frotter à toi. Ils disent que tu te prenais la tête. Que tu les prenais de haut parce que tu avais un peu d'argent. Lola. Lola, toi et moi savons très bien que tu es enceinte. Et ça se voit partout sur toi. Oui, je suis enceinte. Mais il n'est pas de toi. C'est de qui donc? Du chef du village. Je suis enceinte du chef du village. Hey, Sissi, viens par là. Comment tu vas? Viens t'asseoir là, qu'on s'assume et qu'on en profite. Oji, tu sais que je te connais. Je te connais. Ne me dis pas que tu veux seulement que nous buvons du vin. Arrête de faire semblant. Dis-moi ce que tu as dans la tête. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux goûter ma soupe. Tu veux boire de mon eau. Tu veux finir mon jus là. Tu penses que je ne sais pas? Alors, quand est-ce que tu viens à la maison? Venir chez toi. Mm-hmm. Tu vas me donner de l'argent. J'ai entendu que tu es fauché. Moi, Oji? Hey, Oji est fauché. Approche. Si tu coopères, je vais opérer. Je coopère. Tu me suis? Je coopère. Mm-hmm. Parce que la coopération, c'est ce qui mène à l'opération. Coopérer. Hein? Coopérer. Opération.
Hein? Coopérer. C'est coopérer. Ça. Opération. Hein? Je vais m'occuper de vous toutes dans ce village, idiote. Vous toutes. Je suis là. Je suis venue. Tu dormais. Voilà. Si, si. Je ne peux pas. Tu ne peux pas faire quoi? Tu m'as bien compris. Je t'ai dit que je ne voulais pas. Ah ah. Pardon, faisons-le. Ne me perds pas. Je ne peux pas. Tu n'es plus performant. Si tu sais que tu es impuissant, alors arrête de courir derrière les femmes. Hey, hey. Honte à toi. Et tu es impuissant, arrête de courir derrière les femmes. Mais madame, ce verre n'est pas plein. Remplissez-le. Tu trouves que c'est rempli? Il faut le remplir. Je suis votre client chaque fois que je viens ici. Mais regardez comment vous me servez. Laurie est déjà cher, oh. Je vous fais la recette ici tout le temps, madame. Je viens ici tout le temps. Laurie est cher. Ah, vous ne me reconnaissez pas? Ne te fâche pas, il faut faire avec. Laurie est devenue cher. Ajoutez encore un peu. Il faut faire avec. Laurie est devenue cher. J'étais si près de me faire de l'argent pour améliorer ma vie. Mais encore,
ça a disparu. J'ai tout perdu. Même l'énergie pour raconter des histoires et être heureux. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. J'étais en colère contre toi durant des jours. Et quand tu n'es pas revenu... Pour moi, c'était clair que... Parmi toutes les choses que j'avais perdues... Rien n'était plus grand que ton absence. Et Lola? Elle a menti. Et même si elle disait la vérité... Tout ce que je voulais, c'est d'avoir cet enfant. Et lui apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait dans ma vie. Je t'ai attendu pendant longtemps. À présent, dis-moi, où étais-tu passé? Est-ce que tu es retourné chez tes parents? Ou bien... Tiens. Tiens. C'est ton chèque. Prends-le. Après avoir déchiré le chèque, je me suis sentie tellement mal de t'avoir causé autant de mal. Alors je suis restée à Lagos. Je suis allée supplier les Baudricks. Mais quand je suis allée chez eux, Miss Clark m'a dit qu'ils avaient voyagé. Alors je suis allée dans le restaurant le plus proche pour essayer de trouver un travail. Par chance, ils m'en ont donné. J'ai travaillé là-bas comme serveuse. J'ai lavé les assiettes juste pour être capable de joindre les deux bouts. J'ai travaillé dans ce restaurant pendant un moment. Aussitôt que les Baudricks étaient de retour, Miss Clark est venue me voir pour me dire qu'ils étaient de retour. Alors je suis allée supplier. Je me suis mise à genoux devant sa femme et j'ai pleuré devant elle. Il est entièrement à toi. Le chèque est même en ton nom. Tu peux te rendre à Lagos demain et l'encaisser. Tu peux tout prendre, je m'en fous. Je vais rentrer chez mes parents et essayer de faire la paix avec eux. Mais, Ogene, je ne pense pas qu'il y ait un futur pour toi ici. Va à Lagos. Sois comme les autres comédiens. Commence quelque chose là-bas. Cet argent devrait être suffisant pour te lancer. Je crois en toi, Ogene. Je sais que tu peux le faire. Hein? Moi? Moi? Toi? Viens. Viens là. Tout va bien. Est-ce aussi amusant que l'argent peut être? L'argent s'en va. L'argent revient. Drôle d'argent. Oh. Oh. Ogene, c'est vraiment toi? Avance. Hey, Ogene. Maintenant qu'on a retiré l'argent, donne-moi ma part. Hey, t'as recommencé? T'as recommencé? C'est comme ça que t'as déchiré mon chèque la dernière fois, hein? Je croyais qu'on s'était mis d'accord de louer une maison ensemble. Comment c'est quoi? Donne-moi cet argent. Hey, arrête ça! Arrête ça! Arrête ça, très vite! Je ne faisais que plaisanter. Oh. Tu vois? Allez, tu vois, viens. Tu m'as bien eu cette J'étais fois. Bien tu m'as bien fois. Eu cette Allons-y. Fois. C'est quoi Allez, ton problème? Viens, Qu'est-ce qui ne va on pas y va. Chez toi? T'as failli m'avoir. Allons-y. Allez, on arrête, y va. Arrête ça tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quoi ton problème? Ah, c'est pas cool du tout. Ne fais plus jamais ce genre de blague. Lâche ce sac. Reviens ici. Viens là.